Toi et ta prof de merde, là, venez nous pervertir. Vous allez toutes les deux payer, c'est bon? J'en peux plus, j'avoue. Tu me parles des menaces que t'as reçues sur Internet. Tu sais que je vois plus Mounia à mes cours de religion. Tu devrais lui dire de revenir. Ce serait mieux pour vous. Ce que je te demande, c'est de ne pas faire de vagues, d'essayer que ça se tasse. Et j'ai vraiment peur pour toi, pour nous. C'est pas un jeu, Amal. Ils ont notre adresse, c'est sérieux. C'est à cause de connards comme lui qu'on doit s'excuser tous les jours d'être musulmans. Je suis rentrée dans le monde du cinéma en étant maquilleuse et pas actrice. Mon père est comédien. Et il avait vu passer l'annonce pour le casting d'Amal. J'avais été sans me dire que ce serait sans avoir beaucoup d'espoir. Et les castings se sont un peu enchaînés. C'est des castings très atypiques. On n'est pas face cam, on n'est pas seul, on n'est pas là à réciter le texte. On faisait des jeux d'impro les uns avec les autres. Et voilà, ça a duré très longtemps. Je pense que c'était un an et demi avant d'avoir la réponse. J'ai trouvé que c'était très chouette l'exercice du casting, mais après, le rôle en lui-même m'inquiétait. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur de ne pas comprendre bien les enjeux, de ne pas bien représenter la communauté LGBTQIA+. C'était quelque chose qui me faisait très peur. Mais au final, il faut y aller juste pas à pas, se renseigner. J'ai beaucoup parlé avec des gens, ou bien même lire des témoignages, des choses, télé, tout ça, comme on a toutes les deux fait. Le problème, trouvez-lui un exorciste pour guérir son truc de lesbienne, là, et quoi ? Oh, oh, Rachid ! Baba, j'ai rien fait. J'ai insulté personne. J'ai pas insulté la religion. Moi, j'ai débarqué dans le monde du cinéma en tant que comédienne, et c'est ce que j'ai envie de faire, je pense, quand même. Beaucoup. J'ai fait des petits courts-métrages et puis j'ai voulu faire des études de réalisation parce que j'avais pas envie de faire du théâtre, même si j'adore le théâtre, hein, mais j'avais pas envie d'être dans ce milieu-là qui pour moi me paraît très clos et tout. Et du coup, j'avais envie de m'ouvrir, je pense, parce que j'avais envie de m'inspirer aussi de ce que la réalisation pouvait m'apporter au final, moi, dans le jeu. J'ai aussi envie de dire mes choses. Je pense qu'à force d'avoir joué des rôles, il y a un moment où j'ai envie, moi aussi, de pouvoir prendre la parole et même si à travers mon personnage, je dis aussi ce que moi j'ai envie, aussi un petit peu quand même. J'ai quand même pas totalement la liberté de pouvoir porter un propos, écrire, diriger des acteurs. C'est un rôle que j'ai envie de pouvoir endosser à un moment dans ma vie. Donc je suis toujours dans des études de réalisation. Je suis plus à l'IAD, je suis dans une école d'art à Bruxelles qui s'appelle l'ERG. Et maintenant je commence petit à petit à vraiment faire une petite carrière de comédienne. Donc c'est chouette, je découvre beaucoup de choses. Et là, pour ce rôle-ci, moi, à la base, on m'a appelée pour un autre rôle d'une fille dans la classe. Et puis finalement, j'ai rencontré Jawad, on a fait des exercices d'improvisation, un peu de débat avec d'autres jeunes qui passaient le casting aussi. Et finalement, on s'est retrouvés un an après parce qu'il y a eu le Covid. Du coup, le tournage avait été annulé, puis finalement, elle l'a repris. Et là, il m'a proposé le rôle de Jalila. Et il me l'a proposé juste avant le casting, quoi. J'aurais rencontré Loubna, on a passé un casting ensemble. Et j'ai dû jouer une scène approximative qui allait se retrouver dans le film, en improvisation, et c'était super intéressant. Et je pense que pareil que pour Kenza, c'est pas du tout ma culture. J'ai des amis à moi musulmans, mais c'est pas du tout ma culture à moi. J'ai pas une culture musulmane, donc j'avais besoin d'être sûre pour ma crédibilité, quoi. Je pense qu'un film, c'est une crédibilité avant tout, et... j'avais peur pour ça, beaucoup. J'avais peur de ne pas me sentir légitime aussi. Et puis finalement, en fait, Jawad m'a fait confiance. Il m'a vraiment mis en confiance dans mon rôle et de me laisser aller parce que... Et donc, ça m'a donné une grosse liberté, mais j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup discuté avec les gens. J'ai un peu appris l'arabe, j'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai regardé beaucoup à la télé. Et ça m'a beaucoup nourri en final, mais je pense que c'était une énergie qu'il y avait déjà en moi. Mais c'était super intéressant comme travail. Moi, j'ai pas forcément peur. Non, j'ai pas peur. J'ai eu peur au début. J'attendais de voir le film parce que j'avais pas eu accès à tout le scénario du film. Donc j'ai eu beaucoup de surprises aussi, moi-même en découvrant le film. Et évidemment, je me suis dit, j'espère que ça va être bien agencé, que ça va être assez subtil, assez fin, que ça va pouvoir être compris, que le débat va pouvoir être ouvert, que ça va pas fermer des portes, au contraire, mais plutôt en ouvrir, en fait. J'avais plusieurs peurs, mais au final, maintenant que j'ai vu le film, que je l'ai vu une fois et que je l'ai revu maintenant, je suis beaucoup plus apaisée par rapport à ça et je me rends compte de toutes les subtilités que ça a. Et en fait, ça raconte une histoire, mais ça raconte pas l'histoire.
c'est pas une genèse là-dessus, c'est vraiment une histoire personnelle qui peut parler et qui, je pense, a la volonté de faire parler en tout cas, mais c'est assez. Et j'ai pas peur, non, je pense pas. Moi, je dirais que je pense que ce qui est important à dire quand on parle de ce film, c'est que c'est un film qui met en lumière une partie de la communauté, qui ne parle pas de tout le monde forcément, mais pour mettre en lumière quelque chose et ouvrir un débat et pointer quelque chose qui ne va pas, voilà, il faut peut-être faire une espèce de généralité. Et le but du message n'est pas qu'on parle de tous les musulmans. Non, tous les musulmans ne sont pas extrêmes. Tout le monde n'est pas comme ça. Moi, ayant une famille musulmane, c'était un truc qui me tenait à cœur de préciser. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais là, pour le film, il a fallu le mettre en lumière et accentuer ces traits-là pour pouvoir ouvrir le débat et montrer ce qui ne fonctionne pas. Ça a été ta journée ? J'ai une journée un peu compliquée. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, là ? Qui a fait ce dessin ? C'est pas la première fois. Ouais, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est différent. C'est pas une musulmane, ça ! Pour la énième fois, Allah n'a rien à faire dans ma classe !